C'était 3-1. Bien, si c'était un petit 3-1, il me semble. Et on est reparti. Alors ouais, dites-le moi là, rappelez-moi, c'était bien 3-1 le match qu'on vient de voir. Hein. Je suis pas rêvé. Dalil qui arrive pour rappeler à Emmett où il est. Allez, ça commence à RTC Rest. On va changer les petits noms. Donc là, c'est Dalil. Voilà, pour Emmett. Dalil Emmett, on va lui mettre sa petite majuscule. Là. Je sais pas s'il en veut une, mais par respect. La petite majuscule sur le tag d'Emmett. Et on est en loser. On va changer ça. On est en loser final. Voilà. Allez. C'est parti. Une stock avantage pour Dalil. Je viens de le curse, mais d'une force. Genre à la frame où j'ai dit avantage. Il se fait down tilt. Let's go Dalil. Ouais. Je vais essayer d'être impartial, mais au fond de moi, je tire pour les guns constants, on va dire, tu vois. Allez, c'est serré. Emmett qui a mis des bons pourcents là sur Dalil, qui a accumulé un peu de retard. Mais il a rattrapé. Après la Dalil, il y a un air, un back air, un fer. Il vient à Arcamani. Non, je ne pense pas. En tout cas, il n'est pas inscrit. J'en avais parlé il y a deux semaines. Semaine dernière, ouais. Il m'a dit peut-être qu'il regarderait, mais je pense qu'il n'a pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu sur Discord et tout. Il doit pas. Il est peut-être pas beaucoup sur Twitter, j'en sais rien. Donc, il n'a pas dû avoir tout ce qui est notif et tout. Et il n'est pas inscrit. Voilà. Et voilà, éventuellement, si c'est un local qu'on voit régulièrement, etc. Peut-être on essaiera de lui choper une petite place en spec. On sait qu'il y aura quelques DQ aussi, forcément. Mais en soi, l'arc à mêlée, c'est Blindax, sa mère. Non, il n'y a plus de place. Quoique, j'ai un DQ à prendre en compte. J'ai un DQ à prendre en compte, mais... pas peu du tout, comment ça... ouais, le truc épinglé, là, je pense... Je sais pas si on peut le garder, si on peut l'enlever. Mais il y a déjà eu un peu du tout à l'heure, petit Asiat, salut à toi. Il y a déjà eu un petit peu du tout. Ça s'est soldé par un 3-0 pour ces canards. Un El Famoso 3-0, mais c'était close. Et là pour l'instant c'est très serré, il hein. Y a eu 3-1 pour Dalil winner side, c'est un peu le rematch. Il y a plus de 300 personnes, ouais, on est actuellement approximativement 320 sans compter en fait d'autres gens qui ne sont pas inscrits mais qui seront présents parce que parce qu'il Théo etc, c'est du staff et donc forcément bah, le staff on va quand même leur laisser un peu... Quand il y aura moins de choses à faire, on va laisser un peu free play, laisser spectate, etc. Mais du coup, oui, plus de 300 gus pendant que Emmett prend cette première game face à Dalil. Allez, on est parti forcément sur Dreamland. Grab, allez. Regrab, hop, on recommence, voilà. Le gimp, oh, il était à une plume de le choper. Et je pense que c'est pas ce set déjà, t'as j'ai commenté. Je sais plus, ça y est. À 31 ans, on en oublie des choses. Je vous le souhaite quand même, hein, parce que. Voilà. Allez, hop, pour un petit shine, on gratte des pourcents, le backer ça va pas tuer parce qu'on est sur Dreamland. Vous faites passer tous les joueurs en pool en bracket bien sûr. Ah bah évidemment. Évidemment, expérience premium pour tout le monde passe en bracket. Nope.
Je sais plus ce qu'on a prévu, top 64 peut-être. Je sais plus. On avait fait tout ça aussi quand c'était. Kappa 256. Bon, sûrement qu'on fasse une. Qu'on fasse une petite passe dessus, mais. Dans tous les cas, en plus on est sur un tournoi sur 2 jours. Donc forcément, on a pas mal de contraintes. Pas mal de contraintes de timing. Vu le monde qu'il y a en plus, voilà. On va devoir. Rusher, faire en sorte que le tournoi ne prenne pas de retard. Ouh, j'ai bien aimé ce petit reste. Par contre, il a eu la confiance. Hein. Moi, je doutais qu'il ait pas le temps de tech. Je suis sûr qu'il doutait aussi, mais il s'est dit c'est le moment de le tenter, tu vois. 19% pour le puff. Le bracket pour moi, c'est Xiao. Écoute, tu te rabaisses, je pense. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que tu joues plutôt bien. Souvent, tu fais des bons trucs. Allez, stock avantage pour Dalil et Makifo qui trouve quelque chose pour tuer, mais encore une fois, le stage est très grand, très très grand. Allez, petite tech chaise, voilà, on read la roulade out. On la catch direct avec un backer et on chope 2 stocks avantage à Matt qui part très loin pour essayer d'avoir ce puff et essayer de conclure quelque chose parce que là c'est du retard. Et un peu reste, allez, voilà. 3 stocks. Ça sent Yoshi là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je commence à sentir l'air marin, le sable qui se met entre les doigts de pied. Ah voilà, qu'est-ce qu'on disait. Oula, j'ai cru qu'il allait se passer une dinguerie à la frame 1 de la game. Je suis flopesque, mais c'est très gentil. Et bah, c'est très de rien, ne t'inquiète pas. Ouf. Allez. Oh, il a été le backer, je voyais pas du tout passer. Oh là là, il s'est fait. Le plutôt. Je suis éliminé plus vite, je pourrais encourager les Lyonnais. Ah, ça fait plaisir ça. Mais admettons, il y a un Breton qui joue contre un Lyonnais. C'est pour qui que tu tires? Skenar a intérêt à faire top pick. Ah, ça va être compliqué, mais en vrai, Skenar en ce moment, il fait des dingueries. Hein. 3-2, il perd 3-2 contre Raoul. Il bat 2 fois tech. Il a allé gagner à Soukan à Marseille contre Vince. Alors, c'est Canard super chaud. S'il garde le rythme jusqu'à l'arc amélé, franchement, des dingueries. J'ai bien aimé le petit coach de la ville pour éviter cette petite phase Emmett, mais ça a donné rien. Ça, par contre, le coach sur le jab, coach crab sur le jab, c'était très bien. Et Emmett là, qui est allé chercher bien loin ce DR. Allez, backer, est-ce que ça va égaliser? C'était un peu ambigu avec Randall qui s'en est mêlé. Ça n'a pas tenté la dash attack pour catch la neutral get-up un peu lente à plus de 100% là. Allez, c'est bien. Là, il a buffer roll. Voilà. Get out option. Il savait qu'il était un peu sous pression. Nice backer, exactement. Nice rest surtout. Nice rest, quel est le finish? Ah ok, on trouve à peu près 30%, c'est bien. J'accepte. Il y a mieux, il y a pire. C'est respectable. Je pense que toi t'es 30%, t'es content toi. Allez, Dalil qui a fait un wave dash in hyper agressif. Et il m'a inquiété, franchement je le voyais sur la gueule d'Emmett. Emmett il a pas réagi mais je pense qu'il aurait pu tuer. Et c'est le reste qui est trouvé au milieu de ce stage. La plateforme s'en est même pas mêlée. 2-1 pour Dalil. Qui revient dans cette game avec 69% de health cancel. Oh là là, mais monsieur, il était obligé de gagner. C'est pas la première fois ce soir que quelqu'un a 69% de health cancel. Et ça switch peut... sur Fox. C'est pas une mauvaise idée. De la même façon que c'était pas une mauvaise idée de prendre Falco. Plutôt que Fox contre Falcom, même s'il a gagné contre Stobby avec Fox.
Voilà, je pense que... Falco, ça ressemble plus à un confort pick dans ce genre de match-up. Où tu dictes bien plus le rythme de la game, à mon sens. Il veut sa revanche. Non, il veut rien du tout parce qu'il a gagné Winnerside aussi. 3-1, c'est Emmett qui veut sa revanche. Ouf, oh c'était... J'étais quasiment sûr qu'il était sur le bar. Je chope le... Oh non. Comment ça? Putain mais... Les spaghettis sont al dente là. Dalil qui veut sa revanche contre CK1. Oui ouais, exact. Par contre là... Ouais d'accord. Il veut sa revanche. Après voilà, tout à l'heure il disait aussi que contre Sekanor, le truc c'est que... Ils font à peu près la même chose. Même si je trouve que Sekanor se place quand même mieux. Mais Sekanor en fait ouais, il bouge mieux, beaucoup mieux que Dalil. Ça se voit quand on veut jouer contre Falco surtout. Cette que j'ai trouvé très très probant quand il a enchaîné Kieran Dalil et Kieran Sekanor, on voyait tout de suite la différence de mouvement entre les deux. Oh là là, oh dommage, c'était joli. Et du coup, il disait que bah, vu que ces canards bougent mieux dans ce match-up, c'est tellement important, un peu plus tôt que c'est quand même compliqué. Et voilà. Rien n'est joué. Tout est possible. Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Emmett qui prend un bon lead là, qui rate son repère, mais qui a une full stock avantage avec Pog, avec Fox contre Puff, on s'en plaint pas. Tarico tranquillement, Dalil qui s'est peut-être un peu mal placé pour couvrir sa tricot, mais c'est pas grave, il confirme sur la deuxième egg draw. C'est un match-up étrange, comme il n'y a pas de combo, ça se... Ouais, bah oui. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Shotwin, c'est que à peu près le seul combo, c'est Drill Up Smash. Donc bon. Les deux vont devenir monstrueux dans le Ditto à continuer comme ça. Ouais, je pense aussi. Bonne rico là de Dalil, il m'a fait peur avec ses sauts sur le bord, je savais plus où il en était. Je le voyais stall juste en dessous du niveau du bord, mais il m'a fait mentir. Oh là là, what the fuck là, il y avait au moins 3 occasions de reste, mais 3 occasions ambiguës en fait. Non, qu'est-ce qu'il se passe? Il peut plus rester là, il peut plus rester, par contre il le sait. Il faut pas que l'animal reprenne le dessus sur la bête. Il faut pas faire un reste en mode réflexe. Restez tranquille là. Ouh, ah, il se fait peur d'aller. Là, il se fait peur. Il est en train de tout crouch. 94%, 100%. Sachant que là, crouch genre d'un Wickner, ça va donner un petit machin à Fox ou un truc comme ça. Les Puffmen traînent jamais de Lito. Ouais, je pense que c'est pas commun. Et 2-2. Dernière game. Dalil, ouais, j'allais dire Dalil, il est de l'école plus fontaine que Battlefield, je pense. Et allez. Oh. C'était un peu early, ouais, pour le reste. Après, ça se tente, franchement, à ce pourcent. Voilà. Et il meurt par le haut. Ah bah là c'est cherry on the top pour Dalil. Il a eu le beurre et l'argent du beurre. Et est-ce qu'il récupérera la suite? Est-ce qu'il récupérera la queue de ce petit fox? No pun intended, évidemment. C'est le premier truc qui m'est venu. Ah, c'était pas d'accord là avec ce shield lâché de la part d'Aïl, un peu trop early. Après il a pris juste un shine, mais il s'est mis un peu dans une situation compliquée. Ou avec Puff, c'est pas une mauvaise situation d'être off stage, enfin pas... Oh. Ouais, salut, rentre bien, des bisous. Ouh, il a crouché ce up smash, et j'ai tourner des yeux et avantage pour Emmett. Que s'est-il passé? J'ai raté quelque chose quand il a mis son reste? Il avait déjà 3 stocks ou...
Allez, on chope cette stock. Deux stocks partout, c'est hyper serré. On rappelle, c'est deux partout. Deux partout. Ça va se jouer sur cette game. À qui va en grande finale, Emmett, qui a envie de... J'imagine, hein, je parle pas pour lui, mais j'imagine qu'il a envie de montrer qu'après sa double défaite contre Bidouf la semaine dernière, bah en fait, il est là pour titiller les grands. Du moins, titiller les puffs, titiller les Falco. Il est là pour titiller. Allez, F3. Et joueur de situation, faut que ça revienne tranquillement, voilà. Encore une fois, ça tente des ledge-dash un peu raté, c'est pas grave. Ouh, et ça read. C'est pas grave, Fox va pouvoir revenir parce que c'est Fox. Backer. Qu'est-ce qui se passe? On a un singe dans l'avenue. On a des espèces de bruits de whisky dans l'avenue. Alors ouais, faut savoir qu'en plus d'entraîner les puffs d'Ito à Lyon, on entraîne le self-control. Faut que les joueurs arrivent à jouer dans ce genre de situation. Dernière stock, dernière game. Dalil là qui va devoir rester compose. Emmett qui va devoir trouver des bons pourcents. Et je dis ça à Dalil qui pop off. Bien joué. Emmett qui s'incline à 3-2. Contre Dalil qui rejoint la grande finale pour retenter sa chance contre El Secanore qui va approcher d'ici quelques instants. Let's go Dalil, comme ça dit dans le chat. Je vous suis. Dalil Champ. Bien joué de la part d'Emmett, hein, qui est allé beaucoup plus loin que la semaine dernière, qui a montré que c'était que le tournoi de chauffe. Tu as mérité un meilleur seeding, je pense. Voilà, qu'on se le dise. C'est complètement assumé. Et voilà. Prochaine fois, je le nique.